Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 60 de Final Fantasy VII Rebirth. Les amis, dans le dernier épisode, on avait fait pas mal de choses. On avait bien entamé la découverte du Temple des Anciens. On était arrivé à un moment donné contre un boss dragon. C'était quoi, un dragon rouge? Et il était badass, il était vraiment pas facile à vaincre. Par contre, j'ai kiffé le combo à la fin quand il y a eu Barrett, Iris, Cloud et Tifa qui ont fait un combo à 4 en gros. Bon, Cloud il a un peu tout niqué parce qu'il était pressé, monsieur, pour aller récupérer la matière noire afin que personne mette la main dessus, pour bien sûr pouvoir la donner à Sephiroth. Donc, un peu de mauvais poil, un peu tendu, je dirais. Un peu plus tard, on a continué dans ce labyrinthe. On est tombé sur une sorte de... Je sais même pas comment appeler ça, un petit hôtel, je sais pas trop. Et en fait, c'est un sorte de lien que Iris a activé avec la rivière de la vie. Elle nous a fait une belle, une magnifique démonstration de ses capacités, de ses traits. Elle nous a fait une sorte de petite danse avec son bâton, c'était magnifique. Un peu à la Yuna de FF10. Donc c'est un petit clin d'œil. Grâce à ça, en fait, elle a activé comme un élévateur. Et ça a séparé le groupe en deux. Aerith, Yuffie et Red se sont retrouvés d'un côté. Et nous, Cloud, Tifa et Barrett, on s'est retrouvés tous les trois à continuer du coup à avancer. Parce que Cloud, visiblement, il n'avait rien à foutre des trois autres. Toujours dans l'optique de récupérer la matéria avant qui que ce soit d'autre. Donc on a poursuivi notre chemin, on est tombé sur des soldats et un petit peu après, on a rencontré Reno et Rude qui nous attendaient. Je pensais qu'on allait les affronter, finalement non, ils nous ont tendu un piège, en gros ils nous ont bloqués. Et c'est là qu'on est revenu dans le temps. On est revenu en arrière du coup quelques heures plus tôt. On est revenu avec l'autre équipe. On va voir ce qu'ils ont fait pendant les heures où nous on a parcouru notre chemin tranquillement avec les trois autres. Donc bah les amis, c'est parti, on va voir ce qui va leur arriver pendant ce temps-là de ce côté-là. Ok, donc ça c'était déjà fait, j'avais pas besoin de refaire. Normalement on avait tout géré. Enfin j'avais déjà tout regardé dans le dernier épisode. Au niveau des équipements, il me semble qu'on avait... On maîtrisait tout, ouais. Juste, ouais, Yuffie, voilà, Yuffie. Bannissement, faut que je fasse bannissement. Faut que je l'utilise plus souvent, en fait, parce qu'il va falloir que j'arrive à lui améliorer son arme. Cloud, on a toutes les armes, tout plein de balles. Barrett, il nous en manque une, mais le reste, c'est plein de balles aussi. Tifa, on a la dernière. Et il faudra qu'on l'utilise également. Prochain ennemi en état de choc avec la frappe perçante, ça, ça va le faire. Aerith, il nous en manque deux. Il nous en manque deux. J'ai loupé quelque chose. Ou alors, on va les avoir là. Bah, j'espère, quand même. Parce que celui-là, je suis pas très fan. En plus, il a que trois slots. Y a pas mieux. Bon, pour l'instant, on va lui laisser ça. J'espère qu'on va en avoir un. Pas un autre. Et Red, il nous en manque un aussi. Voilà, ok. Ok. Ok, tout le reste, c'est bon. Donc, bah, les amis, c'est parti. Qu'est-ce que... On fait quoi? Par où? Ah, ça doit être par là. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, c'était sur cette plateforme, en fait. Elle s'est mise là et... Elle a... danser avec la rivière de la vie et ça nous a fait monter la plateforme jusqu'ici. C'est quoi ça? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi ça? Oula, t'approches pas trop peut-être, Yuffie, quand même. La rivière de la vie.
Est-ce que ça va lui redonner ses souvenirs? Elle me montre comment m'accorder avec la rivière de la vie. Non. Du moins, c'est ce que je pense. Elle la contrôle. Problème. Elle en fait ce qu'elle veut. Ouais, Yuffie aussi, elle arrive. Trop bien. C'est quoi ça? Merci. Merde, j'ai fait quoi? Temple des Anciens, la rivière de la vie. Aerys est désormais capable de contrôler la configuration du temple en accumulant l'énergie de la rivière de la vie et en la transférant dans les vaisseaux de la vie. En fonction de la quantité qu'elle a accumulée, Aerys peut aussi bénéficier d'une bénédiction. Effet bénéfique sur plusieurs degrés au début des combats. Oh, ça a l'air trop cool. Eh, elle est dedans. Oula, c'est quoi ton truc? Tu danses encore? Faire quoi? Lorsqu'Aerys a accumulé une grande quantité d'énergie de la rivière de la vie, orientez-vous vers un vaisseau de la vie avec. Manipulez votre bâton avec pour y transférer cette énergie. Après avoir reçu suffisamment d'énergie, le vaisseau de la vie se stabilise et le temple retrouve son aspect originel. D'accord, ok. C'est cool! Trop cool! Donc faut retourner en fait, c'est tout simple. Pas mal, stylé. C'est sympa. Pas mal, pas mal. Ok. Ça fait sympa. Moi, j'en mâche tout. Y'a que dalle. Absorber l'énergie de la rivière de la vie. Maintenez triangle dans un endroit parcouru par la rivière de la vie pour en absorber l'énergie. Il est possible de tirer de l'énergie planétaire des cristaux et des créatures qui se trouvent près des vaisseaux de la vie. Oh. Donc, si je pète ça... Est-ce que je peux tout ramasser en même temps? Oh yeah, oh ouais, parce que sinon c'est trop long. Si tu dois les faire un par un, laisse tomber. Ok. Donc là, il y a une autre plateforme. Oh. Allez. Ils ont dit des bêtes aussi, on peut. Ah, merde. Ah, j'ai fait quoi? Au fur et à mesure qu'Aerys accumule de l'énergie planétaire, elle obtient davantage d'effets bénéfiques au début des combats. Rang 1 fois. 3 récupérations et 3 fois récupération et mieux. Ah ouais, s'il est. En fait, faut remplir la barre de ouf. Hein. Vas-y. Vas-y. Ah. Ah oui, faut que je fasse bannissement. Bouge pas, tu vas avoir ton bannissement. Tiens, tu vas prendre un bannissement toi aussi, c'est gratuit. Ah, c'est pas vrai. C'est pas moi. Ah, attends, je suis partie me cacher derrière Aerys, ça se fait pas. Ah, ah. Et un bon bannissement aussi. Et toi, amuse-toi. Retourne noyant. Oh, bah ça y est. Et là, du coup, voilà, j'ai des trucs à ramasser. Ah merde, ça n'en a plus qu'un seul.
Ah, par contre, ça peut être long, ouais. En vrai, s'il y a plein de trucs à faire comme ça, ça va être long. Bah, c'est ça qu'ils étaient en train de foutre pendant que nous, on était en train de se battre de l'autre côté. Oh, c'est quoi ça? Montez. Y'a quoi, y'a quoi? Ah, y'a rien, d'accord. Oula, elle a failli se tuer, Iris. Attention. Ok, donc là, y'a plus rien. On a tout fait. Oh, ça vient d'où tout ça là? C'est pas moi qui ai fait. Il y en a qui traînent un peu par-ci, par-là, d'accord. Ah, faut vraiment être vigilant. Parce que... Il y a vite fait de louper des trucs. Ok. Et là? Ah. Oh, il y a un coffre. Attends. Et là, c'est quoi? Non, mais là, c'est la suite de l'histoire, je pense. On va d'abord aller là, il y a un coffre. Je pense que ça, c'est pas obligatoire. Mais j'espère que je pourrai retourner de l'autre côté. Allez, Iris. Oh oh. J'en avoir assez? Ouais. C'est cool. Ils sont vraiment pris la tête, hein. Ils se foutent pas de nous. Bon alors, sors de là. Ok. Oh, il y a des caisses, j'ai même pas vu. Mais ils étaient pas là tout à l'heure. Ah ah! Pardon, j'ai crié un peu fort. Bah alors? Non, tu veux pas l'ouvrir? Bah. Ah! Mais comment on fait pour aller là-bas? Ah, faut longer le mur. Attends. Attends, il y a un escalier. Il faut que je reconstruise une partie pour pouvoir y aller, c'est sûr. Il y a des trucs qui flottent et tout. Ouais, si, c'est sûr. Ils vont pas me mettre un coffre comme ça et que je peux pas y aller, hein. Attends, à moins qu'on puisse passer par là. Ah, j'ai des conneries, moi. Ah bah non, c'est fermé. Ouais, bah à mon avis, c'est ça. Faut pas chercher. C'est forcément ça. Ils vont pas nous mettre un coffre comme ça en plein devant la gueule si au final c'est pas pour nous le donner. Ils vont nous laisser l'ouvrir. Mais là, j'aurais pu assez. Comment je vais faire? Oh oh. Oh, la chance. Les vaisseaux de la clémence. Ok. On m'a mis un mur. Ok. Vous pensez que les autres vont réussir à s'en sortir? Ouais, t'inquiète. Cloud garde la tête sur les épaules. Ouais. Ouais, carrément. C'est clair. T'as un coup de pied au cul, hein. Oula. Ok, c'est un tour gratuit. Bon, y'a rien à ramasser, c'est bon. On va descendre. Je pense qu'on a tout fait, sauf le coffre, là-bas. Oh. Oh, je vais me tuer, là. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Ah, il y a des trucs en bas. Oh, oui. Pour Iris, s'il vous plaît. Yes. Oh, il a l'air stylé en plus. Allez. Gambantein. Le bâton suprême que les Citrans ont fabriqué dans le but de protéger la planète. Ah, il est pas mal. Pulsation vitale. Ranime les autres équipiers, restaure leur PV et soigne leurs altérations d'état. Mais rend Iris... Oh, c'est trop beau! Vous voyez pas, ma grosse tête? Ça fait tout un petit champ de fleurs, c'est trop beau. Mais rend Iris inconsciente? Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, donc en gros, elle se sacrifie pour remettre les autres bien. Consomme deux barres ATB. Ah ouais, ça c'est dernier recours, je pense. Utiliser pulsation vitale lorsqu'un équipier est affaibli PV bas ou inconscient. Ouais, d'accord, ok, je vois. Oh, pas mal. Par contre, ah oui, mais moi je le mets direct. Il a un slot en plus, qu'est-ce qu'on lui met? Alors, elle a quoi? Remède. Nanananananana. C'est quoi ce bordel? Mais foudre, elle est déjà... Ah non, elle est pas pleine balle, la foudre. Remède. Mais autant mettre ça ici, déjà, pour commencer. Ok, avant. Prière, PM, magie, PV, PV. On lui met. Je sais pas, peut-être ça. Pétrification, moi, en vrai, m'en fous, je vais pas forcément... On verra le moment venu ce que je dois mettre. Alors, dégâts de glace. Augmente de 10% les dégâts de glace. Familier fidèle. Canon, attaque normale plus 5. Gain d'ATB plus, ça c'est bien. Je vais lui mettre aussi attaque magique plus 20. Oh la mort, permet d'échapper. Au moins 2 PV sans effet sur les attaques pour vraiment instantané, ok. Et je vais lui augmenter. Attaque magique, voyons. Ok, cool, enfin une nouvelle arme. Et du coup, faut que je fasse pulsation vitale quand un de mes coéquipiers est mort ou sur le point de crever ou quelque chose comme ça. Ah. Attrape, attrape. Alors là, on est à sec, faut remplir. Alors, on peut descendre. Ah bah non, on peut pas descendre. On va pas se suicider, les gars, on en est pas à ce niveau-là. Attends, il y a quoi derrière? Ah ah ah! Ok. Donc là, on a fait le tour. Et toi là? Dragon ancien. On connaît pas lui. Ah si. Donc, oui, si, on connaît. Compétence. Non, faut que j'utilise Yuffie. Ok, on va faire le vent du coup, ninjutsu de vent. Hop, on va faire, c'est quoi, bannissement de vent. Allez, compétences assimilées, c'est bon, on peut passer à autre chose. On va reprendre Aeris. Bah elle, ça prend deux barres, donc on va éviter pour l'instant de se suicider, hein. Je vais pas me buter gratuitement comme ça. C'est quoi convergence sacrée? Ah ouais, d'accord, je vois. Ah, c'est trop bien. Allez, t'es mort, donne-moi ta puissance, ta vie, là. Donne. Hop. Il n'y a rien d'autre ici. Ok, on continue, les amis, on continue. Mais c'est quoi, le bordel? C'est quoi, cette tornade de fou? Il est là. Mais c'est le bordel, hein. C'est quoi, ce temple de fou? Allez, attrape. Ça va être long, les gars. Ça va être long. C'est stylé, hein. Mais ça va être long. Attends, il y a ça encore. Ok. Voilà. Du vide, du vide. Oh merde, j'ai pris le truc qui était là-dedans. Ah lui, ça doit être pour ça. Mais attends, il y en a plein là.
1, 2, 3, 4, comment je sais qu'est-ce que... Les vaisseaux de l'ordre. Le vaisseau de la vie. Et là, les vaisseaux de l'ordre et de la clémence. Harris est parvenu à remplir tous les vaisseaux de l'hôtel de la clémence. Utilisez la rivière de la vie pour remplir les vaisseaux placés sur l'hôtel de l'ordre. D'accord, donc faut faire les 4. Ok. De toute façon, on n'a pas le choix, je pense. Donc il y en a un là. On a un là-bas. Ah, je peux encore prier. Mais attends, lui, il est à moitié rempli. Déjà, je vais pas le reprendre, autant que je le remplisse encore. Comme ça, ça me fait gagner du temps. Par contre, j'espère que c'est pas le bon chemin. Non, ça a pas l'air. Ok. Ok. Ouh, j'ai fait une tuer. Voilà. Ah, que dalle. Ok, c'est agréable. J'adore. Un loot. Oh, donne. Ah, c'est agréable. Merci bien. Ok. Oh, un petit coffre. Oh, un élixir. Bien joué. Ça pue, hein, c'est pas bon signe quand il y a des trucs comme ça. Et... Ouh. Ah, ça remplit bien. Hein. Ah, attendez. Est-ce que je peux avoir les deux en même temps? Donnez-moi les deux. Yes, les deux sont venus. Donc là, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. On peut aller dedans. Wouhou! Ah. Trop bien. Quoi, comment elle saute, Yuffie? Wouhou, viens, on nage, ouais! Arrête, t'es un peu en galère quand même. Allez, venez, on se casse. C'est bon. Allez, descends. Donc après, on a lui. On a l'autre là-bas. Et on a lui. Qu'est-ce que je fais? C'est lequel le plus près? Je crois que c'est lui, hein. Non, c'est lui. On va faire lui. Est-ce que j'ai assez? Ouais, ça se remplit vite, ça va. C'est bien, c'est cool. Ça change, c'est du gameplay différent, j'aime bien. J'espère qu'on peut tout faire, hein. En vrai, ça a l'air d'être assez linéaire, donc en vrai... Ah. Ah, ça doit être le chemin principal avec la tornade de fou là-bas. Ah non, non, non. Lui, en plus, il est arrivé après. Donc, à mon avis, c'est pas lui qu'il faut faire tout de suite. Moi, déjà, je vais le fouiller là-bas. Et je pense que je ferai les deux... ces deux-là avant, parce qu'ils étaient là avant. On va fouiller, les gars. On va fouiller. On verra bien. Est-ce que je sauvegarde ou pas? Bon, on verra. Allez! On va faire. Est-ce que je les ai, eux? Non. Analyse des petites grenouilles toxiques. La glace, ces créatures amphibies ont élu domicile au temple des anciens. Les Cétras les y élevaient autrefois afin de pouvoir étudier leurs toxines et elles ont continué de proliférer même après leur disparition. Ok. C'est marrant parce que c'est aussi dans l'original, il y a aussi les grenouilles et c'est vraiment chiant parce qu'elles n'arrêtent pas de nous transformer en grenouilles. Et je trouve ça cool qu'ils aient repris, qu'ils aient gardé ce passage. On va faire un petit tourbillon. Attaque improbable. Dégage. Elle a cru qu'elle allait me faire quoi, elle? Ah, bah.
MTUV. Il y a plein de trucs à attraper là, on a cassé des choses. Ouais. Trop bien, ça se retrouve vite, hein, en vrai. Coucou, cool, il y a quoi? Oh, il y a encore du monde ici, donne-moi ça. Allez, pris. Allez. Après. Là, ça ramène devant. Ok. Mais sinon. Ah, il y a encore un truc. J'en laisse traîner, moi. Heureusement que ça disparaît pas. Hein. Là, c'est bon. Ok. Et là, ça ramène là. Ok. On a tout fait de ce côté. En fait, ouais, c'est juste... Bah, en fait, tu gaspilles, mais tu récupères derrière, donc c'est pas trop grave. On va faire celui-là. J'espère que je me gourre pas. J'espère que j'aurai assez, par contre. Ouais, je pense que oui. Yes. Ah ah! À tous les coups, c'est ça qui va m'amener au coffre de tout à l'heure. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, ils nous l'ont mis devant le nez comme ça, là. Allez. Ouais, parce que... Oh! C'était bien dans cette direction. Attends, il y a ça, là. Hop. C'est cool, c'est cool. Toi, mais c'est quoi ce bordel? Ok. Il y a des trucs à ramasser là. Cool, il y a des trucs là-bas. Là, il n'y a rien. Ok, on a tout fait. C'était une toute petite pièce. Allez, donne. On est bien, on est bien. On va remplir, avant d'aller affronter le monstre, on va le remplir au max, notre truc. Comme ça, on va avoir le bouclier et tout, là. Là, on n'est pas encore au stade où on a tout. Il faut encore le faire grimper. Oh! Oh! Ah. Ah ouais, toi tu veux faire ça. Bouge pas. Ils attendent, les gars. Attends, je vais te faire un tir. Merde. Toi, tu vas te prendre une attaque improbable. Ah, t'aimes pas ça, hein? Je les ai. Ah, je l'ai pas. Analyse, analyse. Qu'est-ce que c'est que ce. Quel smelzer. Ces gros insectes des régions boisées possèdent un exosquelette qui leur permet de se camoufler et tuent leur proie grâce à un poison redoutable. Puissantes attaques, ok. Il n'a pas de fragilité élémentaire. Ok, bah on va le niquer autrement, c'est pas grave. Tiens, Red, fais-toi plaisir. Tu vas faire croissant lacérant. Et lui, c'est quoi? La glace. Merde. Tiens, aspire la mana, ça te fait bien. Hop là. Attrape tout. Il y avait que ça? Ah, il y a un truc là-bas. C'est là où il meurt, en fait. Ah, oh, vous pouviez crever tous à côté. Ah, voilà. Maintenant, j'ai tout bien monté, là. Ah. Donc, comme ça, quand je vais affronter le monstre, il est là. Garde renforcée 3. Cool. Cool. Cool.
Cool. Quand je vais affronter l'autre là, bah comme ça, j'aurai déjà de base d'entrée de game, hop, la protection. C'est tout bénef. Un morceau de sa vie. Allez, pris. Ok. D'accord. Ouais, bah d'accord. D'accord. Ah non. Non. Ah. Ouais, c'est pas très cool hein. Très bien. Ok, toi tu vas te mettre un bouclier de lumière. Et toi? Ouais. On l'a lui. Non. Eh ben on va l'analyser de suite. Œil de la mort. Ouais, tu vas mourir, ça c'est sûr. Ces créatures ailées du temple des anciens ont autrefois conclu un pacte avec les Cétras, comme les trois quarts des monstres qui sont là, leur conférant une plus grande puissance en échange de la promesse de protéger l'édifice. Leur infliger une certaine quantité de dégâts les fragilisera. Les frapper à l'œil avec une attaque physique causera d'importants dégâts, mais elles lanceront boucliers de mana lorsque leurs PV auront diminué, les rendant insensibles à ce type d'attaque. Et ils n'aiment pas la foudre. Ok. Ouvre grand tes yeux, mon petit, tu vas voir. Je vais te mettre un ninjutsu de foudre. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et je vais te faire un bannissement de foudre. Même si j'ai déjà kill le truc, je m'en fous. Et je vais te faire un attaque improbable. On va faire Yakolo. Non. Enchaînement fulgurant. Ah merde, ça y est, il s'est protégé. Et eh ben on va lui faire un sort dans ce cas-là, puisqu'on peut plus le taper. Tiens, bam, voilà, c'est comme ça la vie, je t'apprends moi. Hop, et toi tu vas faire 300 lacérant. Toi tu vas t'éclater. Tu vas lui faire un. Tiens, aspire la mana dans sa gueule. Et hop, merde, tape encore. Hop, ah ben il est mort, voilà. Même pas le temps de m'amuser. Allez, ça attrape tout ça. Non, c'est sympa, j'aime bien. Pour l'instant, c'est une bonne team. C'est une bonne team. Bon, après, ils ont pas affronté des monstres oufissimes, hein, mais bon. N'empêche qu'ils s'en sortent bien. Ils sont plus détendus que de l'autre côté. Purée, le cloud, là, il est trop tendu. Hein. On va aller là-bas. Comment on fait? Ah, d'accord. Et après, on fera le dernier. Parce que le dernier, je pense que c'est clairement l'histoire principale. Hein. Ça, on n'est pas obligé de le faire, en vrai, je pense. Mais moi, je veux le coffre. Si, toutefois, ça nous y emmène. Mais je vois pas pourquoi il nous l'aurait montré sans ça. Putain, est-ce que je vais en avoir assez? Ouh, il était temps. C'était juste. Ok. Bah, lâche-moi. Ouais, si, c'est sûr que c'est ça. Oh, oh, il y avait ça? Je savais pas. Oublier quelque chose? Je savais pas vu. Attends, ça non plus, je l'avais pas vu. C'était pas là. Le morceau, il était pas raccroché. D'accord. Ah. Ah ah! Ah, c'est eux, d'accord. Aïe, ça se fait pas. Hein. Ah, 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 mais ah, foutez-moi la paix. Mais t'as rien d'autre à faire, toi. Bon, vas-y, t'inquiète, bouge pas. Ok, et elle, il faut que je la monte pour le faire sa capacité, là. Allez, je vais juste le faire, histoire de dire que je l'ai fait. Pulsion vitale. Désolée, je reste plus fort.
Ouais, c'était juste pour le faire. Maintenant, je vais la ranimer, bien entendu. J'espère que ça a marché. Je me suis mis dans la merde toute seule pour faire le truc d'Aerys. Bon allez, on arrête les conneries. Ah ouais, tu joues ça, bouge pas, compétence. C'était le vent, et ben on va faire un jutsu de vent. J'en dis qu'il me casse les nerfs ton pote. On va se le faire lui d'abord. Mais pourquoi il a encore changé et... Non! C'est pas ça que je voulais faire, teubé. Ah, je fais n'importe quoi là, ça y est. Et je vais crever. Compétence. Attaque improbable. Tu t'en occupes pas très bien du coup. Non, non, Aerys, c'est le moment. Faut qu'elle monte, faut qu'elle monte. Faut qu'elle fasse sa compétence. Ok, c'est maintenant. Là, ça va servir à quelque chose. Allez, yes. Ok, ça. Non, c'est pas ça. Objet. Vraiment pour maîtriser l'arme, sinon en vrai, je vais déglinguer. Allez, sans pitié, tu vas voir, t'inquiète. Aerys. Ta transcendance s'il te plaît avant que je me mette sur raid et qu'il fasse la sienne. C'était trop bien. Donc c'est bon, elle a maîtrisé son arme et Yuffie aussi d'ailleurs, du coup c'est cool. Ouais, tout le monde maîtrise tout, il y a juste Tifa qui maîtrise pas la sienne parce que je l'ai pas trop utilisée du coup. Ah, il y en a un là. Ok, bah c'est bon, il y avait que deux monstres. Là, j'ai rien oublié. Tout est bon, on est bien. Ah ah, escalier. Les prix. C'est sûr, c'est ça. Avec une musique. S'il vous plaît. Ça va que ça brille, hein, sinon je passerai à côté. Oula. Ok, bon bah on va monter, hein. Et à tous les coups, il y a le cœur. Il y a le cœur encore. Bien. Allez. Blague. Ah, je suis trop forte, j'en ai marre d'être trop balèze. Un bracelet de Cetra. Oh, bah ça c'est pour elle, hein, de toute façon. Il est beau le sien. Il est stylé. Bracelet de Cetra. Un bracelet spécialisé dans la protection contre les attaques magiques et qui a hérité de la sagesse des Cetra. Ouais, mais non, il est pas ouf. Mais par contre, là, la défense magique, mais ça lui baisse sa défense physique et ça lui baisse ses PM. Oh bah non, c'est mort, il a même pas de...
Y a même pas de ma... On peut même pas mettre de matériel. Ah, dégage ton putain de bracelet pourri là. Tout ça pour ça, les gars. Je vois pas le délire en fait. C'est pourri. On peut même pas mettre de matériel. Bon, bah là, on a tout fait. On a plus qu'à aller là. Allez, go, go, go. Bah, de toute façon, je peux pas avoir plus parce que j'ai fait tout tour. Normalement, j'ai assez. Qu'est-ce qu'elle fait, Yuffie? Allez. Les vaisseaux de l'ordre. Oh. Bah attends, depuis tout à l'heure elle le fait. Tu te réveilles? Ah oui. Ok. Oh, oula, 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 oula. Tu devrais peut-être te reposer un peu. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Faut pas t'épuiser parce qu'on serait perdu sans toi. Allez, pause. Assieds-toi. Alors, juste un petit peu. Ah oui, il serait dans la merde sans elle, c'est clair. Une petite pause. Ah, ah, hall de la vie, premier niveau. On se retrouve avec les trois. Mais merde. Il croit qu'il va faire quoi avec son pied? Oh. Ah, c'est parce que Aerys a fait son truc. Ça remet les choses en place, je pense. Ah, j'ai la tête qui tourne, les gars. Non, mais... Ils sont toujours en position de défense, l'un contre l'autre, c'est... Cet endroit va me rendre dingue. Au moins, un passage s'est ouvert. Ouais. Tu vois le bon côté des choses. Qu'est-ce qui se passe encore? Quoi? Ah, mais je préférais la petite grenouille, hein! S'il faut se battre. Oh, bordel! On est plus coincé. C'est de merde! Mais regardez! Oh, on le connaît pas. La grenouille, bah, du coup, on connaît, on sait que c'est la glace, mais lui, on connaît pas. Ces créatures mi-hommes mi-bêtes ont élu domicile au temple des anciens, sauvés il y a très longtemps par les citrates, une étrange maladie qui les rongeait. Elle les remercie en protégeant le temple. Mais ils sont tous... Faut que j'utilise Tifa. Ah, on est enfermé. Ah, attends. Laisse-moi faire. Ah, merde. Attends, attends, attends. Prends les grenouilles, prends les grenouilles. Prends l'autre grenouille, elle est où? Non, faut lui piquer sa gueule. Non, il est trop loin. Ok, ok, compétence. Pas personne. Elle est passée en dessous, ça déchire. Aou, aou, aou. Compétence, fais chakra vite fait là parce que. Je dois faire attention. Ok, frappe machin là. Frappe perçante. Voilà! Oh putain, c'est stylé, frappe perçante! C'est fort, hein? Ok, bah oui, on va aller par là, de toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire. Du coup, est-ce que j'ai bien avancé? Ah oui, j'ai fait la moitié. La moitié. Faut que je tape encore deux fois, je pense, et, c'est, et ce sera bon. Ok, cool. C'est ça.
quoi le délire? Eh ben, c'est encore une sacrée tornade. Regardez. Ah, ils sont là. Les voilà. Ah, oh, ça va être tendu, on va les affronter à la poursuite des Turks. Ah ah. On va les affronter. Ils sont 4. J'espère pas les 4 en même temps parce que ça va pas le faire. Comme d'hab, y a rien d'intéressant. C'est toujours bon à prendre. J'aime des panneaux. Un petit banc. Et est-ce qu'on peut améliorer? Je pense pas. Hein. Maintenant, on n'a plus rien à améliorer en vrai. Ah, bah, Tifa peut-être. Qu'est-ce que je peux leur mettre? Bah non, en fait. J'avais tout remis, tout refait pour avoir ça. Synchronisme renforcé, c'est 25. On va plus rien gagner là de toute façon, donc non, c'est mort. Bref. Bouge pas, tu veux jouer à ça? Bougez pas les. Isabelle, je vous prends tous les deux. C'est fini. Oh, j'entends une grenouille, pourquoi? Oh non. Bazooka sanglant? Ah, réduit de moitié. Non, 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 c'est mort. Mais attends, j'ai quand même envie d'essayer un tir puissant. Ouais, mais non, il mérite pas ça. À bout portant. Là. On va faire hypercute énergisant. C'était mort. Oh. Mais transformant en grenouille, non mais oh. Pas quoi. Donc là, y a rien. Ah ouais, le courant là, laisse tomber. On va se faire embarquer. Non, y a rien d'autre. Ok. Il n'y a rien nulle part, on n'a pas le choix. Je reviens, je vais vite fait me mettre sur le banc là parce que c'est complètement con, je viens de perdre la vie bêtement. Allez. Il est énorme ce temple. Il est juste gigantesque. Il est encore plus grand que dans l'original, dans tous les sens du terme. Hé les gars! Sécurisez cet endroit. Ok. Vérifiez que ça tient. Attention! Waouh! Faut esquiver. Hein. Sérieux? Faut esquiver le vent. Enfin, le vent. La rivière de la vie. Ok. Alors faire gaffe. Et il y a ça. Ok.
pas où je l'emmène, mais je l'emmène. Attends, j'ai déjà regardé un peu la config. C'est là-bas que je peux le mettre, je sais pas. Je vais le foutre là. Pour pouvoir passer. J'ai pas le choix de toute façon. Mais est-ce qu'il passe ici? Eh ben on va tester. Ah non, c'est mort, c'est par là. Ou pas. Je sais pas à quoi ça sert, ça va tomber là. Yes, c'est pas très cohérent. Ah, c'est juste pour pouvoir traverser, mais il faut quand même que je fasse attention. Non. Bon, on verra bien. Oh là, je suis passée. Ah, les gars, ils avaient la réponse. Oh, il y a un petit coffre là-haut. Les gars, ils avaient la réponse juste sous les yeux. Mais non. Faut y aller à pied, quoi. Oh. Monde. C'est trop dangereux. Rejoignons ceux qui sont partis devant. Ouais, allez-y. Laissez-moi le coffre. Hein. J'arrive. Ok. Oh la musique. Attendez, il y a quoi? Oh, c'est quoi ce que j'ai vu? Dan, dan, dan. C'est pour qui? Ce sera pas pour Cloud déjà. Oh, Barrett, un cri de la planète. Et voilà. Et voilà, c'est sa dernière. Mais par contre, ça... Ouais, de 2, ça rien. Ça baisse de 2 l'attaque magique, on s'en fout. Montée d'adrénaline. Augmente temporairement le gain progressif d'ATB de manière considérable. Utilisable une seule fois par combat. A. Remplir 2 barres ATB pendant l'effet de mental explosif. Mental explosif. Une arme à feu recelant le pouvoir de la planète est destinée à briser le cruel destin qui la menace. Par contre, elle est pas ouf, hein. Elle a vraiment une seule gueule. Mais on va le mettre. Et on va lui attribuer quoi? Pose des charges. Accélère la recharge, bien entendu. Recharge de choc. Recharge l'énergie de grosse décharge lorsque le personnage... Augmente la quantité d'énergie rechargeable de grosse décharge. Enfin. Bonus ATB anticipé. Rempli légèrement au début du combat. Gain d'ATB plus. Augmente de 10% le gain d'ATB en cas d'attaque ou de garde. Non, je vais lui mettre attaque physique plus 20. Il va faire mal. Mal. Ok. Cool. Il y avait quoi d'autre dedans? Rien. Ok. Ok, bon, on n'a plus qu'à monter, les gars. Là, bon, on peut pas y aller. On peut pas. Hein. Oh. Bonjour. Toi, t'es mort. Voilà, c'est torché, les gars. Cloud, il est énervé. Là, il y a quoi? Hein? Ah ah! Il y a un truc à faire tomber là pour pouvoir passer. Bien sûr, comme ça on peut passer en bas. Parce que justement, il nous manquait un passage. Et il va l'escalader au milieu pour qu'on puisse marcher dessus et aller avancer dans la suite de l'histoire. Tout simplement.
comme c'est bien pratique. Ah, il en faut un deuxième, bah ouais. Ouais, t'inquiète. On y va. Il y en a voir. Là-haut. Il n'y a pas de monstre, c'est étonnant. C'est grand. Je me dis... Hé, hey, pourquoi elle est là-haut? Comment? Le monument. Bon, déjà, laisse-moi récupérer ça. Ça. Et ça. C'est peut-être une sorte d'interrupteur. Voyons ça. Ouais, ça se remplit. Mais encore. Ok. Voilà, là, ces anciens, ces cétras. Wow. Regardez, on ne pourrait pas briser ce pilier. Ah, t'étais pas obligé, purée. Il est un peu grand, lui, je trouve. Oh non, c'est l'autre avec son... Oh, vas-y. Ah ouais. C'est ce gros balourd qui va le briser pour nous. On va le... l'analyser, le petit, hein, titan d'acier. Attends, attends, j'étais pas prêt. Oh. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Oh, tu te déchires. Oh, il déchire. Je voulais juste m'amuser. Tu veux pas que je m'amuse? Mais attends, est-ce que je l'ai analysé déjà dans sa vie? Non, même pas. Non. Faut que je l'analyse, titan. Titan d'acier. Ces géants de fer ont été créés par les Cétras, qui les utilisaient aussi bien pour combattre que pour construire. Ils peuvent ressusciter à l'infini tant qu'ils ont accès à la rivière de la vie. Après quelques temps, ils utilisent affûtage enchanté, ce qui les fait simultanément entrer en état de fragilité. S'ils ne sont pas mis en état de choc dans le délai imparti, ils lanceront une attaque dévastatrice. Ok, ok, faites entrer. Ok, ok, ils aiment pas la foudre. Et ils vont pas aimer Tifa. Ok. Voilà, ok. J'arrête, il est mort. Compétence. Compétence synchro, vrille double. On va pas le choc, mais il va crever quand même. Voilà, remballe. Bon, t'as pas choc. Par contre, on l'a pas choc, c'est chaud. Pas vraiment. Faut qu'on détruise cette tour. Comment faire? Bon, allez. On recommence. Hein? Non, non, non. Bon. Faut vraiment que je choque, sinon c'est mort. Mais il est là encore. Faut que je recommence, c'est relou. Allez, redonne-lui de la vie. On recommence. Putain. Ne te précipite pas. Heureusement que je suis là, hein. Ah,
Concentre-toi. Fini de jouer. Sur toi. Ouais, aucun problème. Ah, on veut encore. Oh, allez. Vas-y. Compétence synchro, vrille double. Ils sont morts tous les deux. Pourquoi? Sors. Évidemment. C'est plus la peine. On va ramener Barrett. Désolée pour l'attente. Prends ça. Le chien. Barrett. Il suffit de serrer les dents. On veut encore. Ça. Oh, putain, merde, le truc s'est annulé. Objet. Super. Ouais. Eh putain de merde. Oh, c'est pire que tout à l'heure. Ok. Reviens. Tu peux battre. Prends ça. Toi, non, objet. Essence de Phoenix Cloud. Et toi. C'est un peu chaud là. Dégage de là. Non. Cloud, il est là. Il n'est pas. Qui c'est qui va mourir là? Il va tuer quelqu'un. Non. On va faire compétence synchro, avalanche offensive. Je sais que tu vas aller. Alors, toi, tu remets de la vie à tout le monde parce qu'on est dans la merde. Salto éclair, allez. Putain, il est plus fragile. Ouais, aucun problème. Ok, tu vas faire couleur max. Ah, il fait de merde. Ok, sort, tu vas remettre encore de la vie. Garde ton sang-froid. Allez, je suis prêt. Dégage de là. C'est pas fini. J'arrive. Eh ben. Oh. C'est fini. Oh. Prends ça. Ah, oui, oui. Ça le fait clair. Ok, vous faites un salto éclair. C'est quand même plein la vie. Fais-lui un enchaînement rapide et t'y pas. Compétence synchro. Le dévastateur. Vas-y. Tu crois que ça ira? Ça vient, ouais. La chercher. C'est trop dur, le choc, putain. Choc combustible. Oh oui, oui, Barrett, il déchire. Ah, c'est bon. Il est chiant. Il était chiant, à choc. Voilà qui est fait. Voilà.
J'arrive. Faut que je souffle un peu. C'est pas fini. Allez, piquez. Voilà, t'es mort. Allez, casse-toi. Mais je veux bien ton épée si tu veux. Faut pousser ce truc dans le courant maintenant. Bon, allez. Et j'aimerais bien un banc, au passage, si possible, s'il vous plaît. Un banc. Où est-ce qu'il y en aura un? Voilà! On pourra passer maintenant. Par contre, ça tremble un peu là. Je me casse. Ah! Oh le bordel! Tout le monde peut faire comme ça aussi. Ah ouais? Ah putain, il y a encore des monstres. Je peux pas sauter dedans moi aussi. Ah vas-y, je vais les esquiver parce que là je vais crever sinon. Est-ce que je peux vraiment esquiver ou pas? J'ai pas. Ah putain, je peux pas. Bon bah Cloud pour le coup Ah putain il peut même pas Bah vas-y tant pis. C'est énervé hein. Au revoir. Ok. Du coup on est là, on peut y aller. Y'a pas de banc hein. Le banc il est à péta ou schnock, ça me saoule. Bah du coup on peut pas, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris, lâche. D'accord. C'est sûr, c'est plus pratique comme ça. Ah ouais. C'est pas long. C'est une impression. Ok. Ah oui, d'accord. Je me disais, il est où le coffre? Prendre antérieure résurrection. Ok, c'est pour éviter de mettre la matéria. Donc là-bas c'est bon. Ça avait cassé notre petit chemin qu'on s'est cassé la tête à faire. Ok. 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 On n'a pas le choix, c'est par là. Encore un corps. Oh, y a-t-il ici? Giga pour une potion. Salut. Ah non, je sais pas. Eh ben, on va le savoir tout de suite. C'est quoi? C'était Dwarverl. Créature mi-bête. Ah, mais c'était ça, je les avais pas analysés, trop lus. Aïe. Je m'en occupe. Ok, bouge pas. Compétence, combo surpuissant sur les deux. Quoi? Et tu vas nous faire une colère maximale. Et toi, tu vas remettre la vie. Ouais. Extra soin. C'est bon, ça a pris quand même. Mais je vais quand même
Putain, il a plus de PM. C'est vraiment rien, c'est sûr. Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'éther. Ok. Est-ce que je vais avoir un banc et je vais paniquer mes trucs là? Je vais les remettre. Ouais, ça ira bien, c'est bon. Pas plus. Allez, on ramasse tout ça. Et on n'a plus qu'à monter, il n'y a plus d'autre. Ouais. On grimpe, on grimpe. Ah ah! Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Je suis la reine pour ça. Je gâche des potions, des machins, tout ça, parce que juste derrière, il y a un banc. Ça, c'est parce que je regarde pas la map. C'est bien fait pour ma gueule. Ah, attendez, je suis pas prêt. Attendez. Arrêtez de faire des cris bizarres. Ah, non, c'est rouillé, Rémi. Ah, je suis pas prêt. Attendez. Oh non, 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 ils vont être casse-pieds. Tous les deux ensemble, là. Ils en vendent pas d'autres, des éthers. Ok, bon, il y a quoi, là? Descendre. Pourquoi il y a quoi? Je m'en peux plus. J'en ai marre de moi. Bon allez. On fait le tour, c'est gratuit. C'était trop bien. Petit tour de manège. Je me suis dit au cas où vous avez pas bien vu le décor. Hop là. Bon les gars, moi je save. Parce que ça fait un petit moment. Et à vrai dire, je pense que c'est un bon spot pour s'arrêter parce que ce qui nous attend derrière, ça pique. Et à mon avis, ça va durer longtemps parce que si je galère, ça va durer très longtemps. Et les amis, je pense que ça peut être un... Ouais, c'est horrible ce que je fais. Je vous arrête juste avant un putain de combat. Mais les amis, dites-vous, dans le prochain épisode, on commence sur quoi? On commence sur un putain de combat. C'est cool. Bon, bah voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais quand même, on a bien avancé. On a bien avancé, en vrai. On a bien avancé dans ce temple qui est énorme. C'est un labyrinthe, c'est le bordel. On a eu pas mal de combats. Franchement, c'est cool. C'est très cool, c'est marrant, c'est sympa. C'est très long. Et là, on a encore Wood et Reno à affronter. Et derrière, je pense qu'on aura sûrement Tseng et Elena. Donc à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, on n'est pas sorti du temple. Si vous avez aimé l'épisode, lâchez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo et pensez à activer la petite cloche et à vous abonner pour ne pas louper la suite de mon let's play. On se dit à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bye!